vous connaissez tous le patinage artistique sur glace, mais avez-vous déjà entendu parler du roller artistique? Ici, au Club Dijonnais, pas moins de 100 licenciés pratiquent chaque semaine. Alors, que ce soit en quad ou en inline, il y a moyen d'essayer. On a mouillé le maillot, teste la discipline. Alors, voilà la paire de quads. Bon, c'est ma taille, 39? Oui. Les quads, c'est 4 roues, c'est mieux pour démarrer? En fait, le club ici, c'est un club de quad à la base. Et le inline, c'est une discipline récente. Quoi, tu venais de la glace? Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que tu es sur des patins qui ressemblent plus? Oui, et j'avais essayé le quad au début et j'arrivais vraiment pas trop à tourner, tout ça, parce que les appuis sont très différents. J'ai déjà essayé de me mettre debout. Alors, comment ça va, les sensations? J'ai l'impression d'avoir 5 ans de nouveau. Alors, maintenant, on peut faire des citrons, on appelle ça. Oui. Donc là, on plie et on remonte. Plie, remonte. Bon, jusque-là, ça va? Ouais. À part que je suis pas tellement souple. On va essayer de freiner. Donc les freins, ils sont devant, donc il y a juste à laisser traîner le pied derrière. Oh. Faut bien appuyer pour pas que le patin, il fasse des sauts. Il y a le compas, donc on est sur le frein. Et là, je plie. Et je vais tendre la jambe pour faire le tour. On écarte pour rouler. Là, mon pied, il va vraiment rester sur le sol. Et maintenant, tu peux faire ça, un citron que du pied droit. Ah oui. Ça, on appelle ça l'aigle. Les pieds, ils regardent vers l'extérieur. Ouais. Et puis, bah, on roule comme ça. Et on roule comme ça. Il faut ouvrir les hanches. Ah ben, moi, je tourne. Et, en fait, il faut faire ça sur toute une courbe. Écarter comme ça. Voilà. C'est ça? Ah, c'est ça. Le rat de poil, je l'ai. Je sais pas pour. Et à peu près 30 secondes de danse imposée. Et après, c'est une partie libre. Alors, on fait un chassé. Un chassé. Un croisé. Un croisé. Et là, je remonte en balançant la jambe devant. Oui, bien sûr. Alors, recommence. Oh. Donc, chassé. Pousse, chasse. Pied, pouce. Croisé. Croisé. Balancé. Et je suis un peu adossée en fait. Parce que là, on dessine une courbe. Ah ouais. Voilà. Hop, je me mets sur un pied. Je regarde devant. Bon, Maëlle, débrief, c'était comment? C'était une bonne séance, vraiment. Enfin, dès le début, tu roulais bien, c'était vraiment bien. Après, au niveau d'écart, il faudrait travailler un petit peu. Sur les figures, là, les levées de jambes et tout ça, ça manque de souplesse quand même, non? Ah bah, ça se travaille. Ça se travaille, comme tout. C'est le fait de répéter après. Voilà. Bon, ben, y a plus qu'à. Hein. J'aurais essayé au moins. Et je suis pas tombée. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La petite photo de pas.